authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like, when I think about, do I care about my employees? It feels more like, in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's how my, that's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ekomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Omi Frog Show. Hey, bon matin, la gang, c'est Jess, The Harvesting Frog, pour notre Vivi, non, excusez, pour le Omi Frog Show, épisode 26. Donc, votre show quotidien sur le Omi Coin, mais bien entendu sur les Omi Birds, et on fait le tour, comme à chaque épisode, aussi du Bitcoin. Donc, that's it, rien de spécial à vous dire, je pense que on va juste aller faire la charte, so let's go! Donc, disclaimer time, n'oubliez pas qu'on ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement sur cette chaîne ou peu importe ailleurs. Tout le contenu que vous allez écouter, entendre ici ou qui est fourni par moi ou par l'équipe de la famille crypto est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, là, le Bitcoin n'a pas fait ce que je voulais, fait que j'arrête de charter, bye. Non, en fait, c'est pas vrai, pas en tout. Le Bitcoin, il est même, je vous dirais même qu'il a fait un peu, il a fait ce que je pensais qu'il allait faire. Donc, on va regarder ça ensemble. Mais, j'ai oublié, il faut aller faire les Omi Burns. On va aller voir ça. Donc, pour ce qui est des burns, on a déjà 61 milliards 171 000 millions de Omi Burns. On a comme 1 milliard 171 000 de plus de burn depuis vendredi. Surtout probablement à cause d'un autre nouveau jeu qui vient de rentrer. Donc oui, j'ai mon Omi merch shop qui burn du Omi, mais qui va commencer tranquillement. Là, on a peut-être 5 à 10 000 Omi de me on the side, mais pour l'instant, je n'ai pas été voir si on avait fait des merch, des ventes. Mais les jeux comme ça qui burn du Omi sont tellement plus productifs. Donc, je leur lève mon chapeau. Fuck yeah. Great job. Fucking great job. Ça va burn du Omi. Puis nos drops continuent. Les prix vont continuer à descendre. On risque de continuer à burn du Omi. Je suis all in. So, yeah. Good news pour le project. Puis good news pour le Omi. Pour ceux qui continuent d'accumuler. Fuck yeah. Donc, à ce temps, on retourne à notre Bitcoin, hein, on va aller voir. Donc, regardez sur le weekly, je me suis dit que ce serait intéressant de voir le weekly. Sur le weekly, on est sur une drop, mais peut-être que notre drop, on a fini de l'avoir un petit peu, mais tu sais, genre, on semble avoir perdu de puissance sur le MACD. Quand je regarde le weekly, j'ai ma courte time frame qui a l'air de vouloir remonter par en haut. Donc, potentiel de remonter, je pourrais voir ça arriver, mais regardez aussi ce qui s'est passé ici. On peut pas se mentir, on a eu quand même des remontées, des rechutes ici, sauf que là cette fois notre stochastique en vert est très très bas, donc notre grosse time frame de stochastique, si je crains que tout ça, regardez un peu ce qu'on a droit comme réaction, sauf que là on est quand même très bas, donc si ici on a une remontée qui est substantielle, cool, mais j'ai l'impression que c'est soit la dernière ou l'avant-dernière drop avant qu'on tombe dans notre gros prix. Là. Sur le weekly, là, j'ai l'impression que ça ici, là, on va peut-être avoir droit à un crush comme ça, là, ou à une remontée du court time frame. Même chose pour la ligne bleue ici. Puis une fois qu'on va crasher, d'après moi, après, on remonte en puissance. Ça devrait remonter probablement dans les 30-40 000. Moi, je dis ça, mais j'ai pas fait de test. On va mettre un Fibonacci retracement avant de partir en bar. Donc, on va suivre juste sur la dernière vague sur le weekly. Donc, si, exemple, on fait une drop qu'on retourne juste à notre all-time low, le potentiel de remonter, on pourrait se rendre dans les 30 000. D'après moi, on va plafonner à genre 30 000. On va rester, on va consolider probablement très longtemps
jusqu'en 2023, probablement dans les 30 000. C'est ce que j'ai comme feeling. Je pense qu'on va avoir droit à une grosse sideway. Si on descend plus bas, si on descend plus dans les. En ce moment, on avait descendu à 18, mais si on descend plus dans les 15 000, comme je le pense, j'ai l'impression que, justement, regardez notre plafond à 30 000, ce qui va d'être, puis à quel point. Il tombe exactement sur l'espèce de consolidation qu'on a eue durant la vague, quasiment sur la médiane au niveau 1. Donc, je nous vois très bien, déjà, si on crash jusque-là, remonter dans les 22 à 24 000 facilement. Ensuite, je nous vois aller monter dans les 30 000, puis jouer là-dedans. Je pense qu'on va avoir le droit à un canal dans le futur qui va ressembler à quelque chose comme ça ici. Wow. Wow, papillon. Donc, peut-être que je devrais le garder un peu plus pour l'avenir, mais j'ai l'impression qu'on va avoir une consolidation. Puis, c'est drette là qu'on s'en va après. Donc, d'après moi, on va consolider là-dedans jusqu'à notre bull run de 2023. Qui 2024. La bull run de 2024 qui est après le mois d'avril. Donc, d'après moi, on a des régions. Laisser un peu là, attends un peu, parce qu'il y a le 23 janvier. Quoi, puis il y a tout le temps une espèce de. Attends un peu là, je cherche les mois, à où? Donc, j'essaie de ne pas vous étirer ça trop là. Mais j'ai l'impression que ça ici. Donc, selon moi, on va consolider puis on va rester là-dedans. On a fort possibilité de descendre à 15 000, ce qui va finir de consolider notre drop. Mon avis, là, quand je regarde le weekly en plus, là, puis avec toutes les charts que je fais depuis quand même longtemps, hein, Omi et Vivi Frog Show. Donc, je pense qu'on consolide, on s'en va là, on consolide là-dedans. Puis, mais qu'on arrive dans ces régions-là ici, on devrait avoir des indications qu'on repart bull run. Je pense que je vais les laisser là. Je les renommerai une autre fois. Mais je pense que c'est là qu'on s'en va. Mon MACD me dit encore qu'on est en chute. Donc, probablement qu'en plus, vu qu'on est sous la médiane, zéro, la chute est probablement pas finie. Puis même si on perdrait de la puissance, on serait probablement dans une consolidation ou dans une chute encore à venir. Donc, mon MACD, mon MTF me dit downtrend. Puis, on va aller voir les EMA, voir ce qu'ils disent, ceux-là. Donc, pour le volume de la semaine, il reste 6 jours. Hein. Donc, regardez les volumes. Et aussi, on a perdu du volume sur la downtrend. Donc, ça se peut qu'on ait un petit volume downtrend puis que ça nous fasse descendre, mais juste un petit peu. Regardez, quand on a des petits volumes, on descend des fois, mais on descend pas très fort. Donc, possible qu'on ait une perte là, de la puissance sur la downtrend. Si je regarde ensuite les EMA, je vais me permettre de cacher mes trendlines. Personnellement, j'aurais peur ici là, qu'on soit en train de dessiner une espèce de future dead cross. Si je regarde mon MA jaune ici, puis le vert ici, il faudrait pas qu'on, justement, il est peut-être un peu trop bearish, mais il faudrait peut-être pas qu'on croise éventuellement, parce que ça pourrait amener nos chandelles dans le très très bas. C'est quelque chose que je ne souhaite pas vraiment. Je nous souhaite arriver à 15 000 puis qu'on aille ici ces EMA là qui viennent de faire ça comme ça tranquillement. Donc, c'est quelque chose que j'espère pour le Bitcoin pour être franc avec vous parce que sinon, ma prédiction de 14 000 pourrait être pas mal plus bearish que ça. On pourrait peut-être descendre plus bas. Puis j'aime pas dire ce que je viens de dire, mais. Je le verrai pas dans l'impossibilité selon ce que je vois ici avec les EMA. Donc, attendez un petit peu, je récupère mon curseur. On voit même pas mon EMA 233. Donc, ça c'est mon weekly. Mon weekly Bitcoin, en préparation de bullish là, ou en préparation de consolidation. Parce que une fois que la bull run est finie, d'habitude on repart pas style bull run. Si on repart, on va être content. Mais. Vous avez vu un peu ce que le weekly me semblait m'indiquer. Si je regarde mon daily avec mes EMA, là, regardez, on est sur le EMA 8. On n'est même pas capable de traverser le EMA 8. T'sais, on l'a traversé, là, mais je veux dire, sinon on va parler du 13. Là, on n'est pas capable de traverser du 13. Donc,
c'est une uptrend, mais pour moi, c'est juste une uptrend avant un retour downtrend. C'est ce que je vois ici. Là. Je m'excuse, mais même chose ici, j'ai une belle vague verte. Oui, oui, mais elle n'a pas l'air assez puissante pour l'instant pour me montrer que on a quelque chose de significatif. Là. Je perce aucune confirmation. Mon volume est en downtrend. Genre, la montée s'essouffle. Présentement, la montée s'essouffle. Même si on a eu un très bon volume par rapport à ce qu'on a eu dans le passé. Regardez dernièrement nos volumes. Ça, c'est du bon volume. Mais pour moi, c'est du monde qui se sont fait bulltrapping. Genre, oh, 20 000, c'est l'ancien all-time high du Bitcoin. Ça te défoncera jamais. Ben oui, ça va défoncer, c'est sûr. Là. C'est sûr, ça va défoncer. Il y a des market whale qui vont te manipuler. Ça, solide. Boom, c'est de ça qu'ils ont fait. Donc là, c'est une bull trap, parce que là, le monde pense que là, c'est notre bottom, mais moi, ce que je lis personnellement, c'est que c'est pas fini, ça, là. OK? Ensuite, si je regarde ça ici, là, ben regardez mon multi-time frame de stochastique qui me dit qu'on était sur une remontée, mais que mon MTF, déjà, sur la long time frame, il avait même pas touché à son bottom encore. Donc lui, quand il touche pas à son bottom, d'habitude, la drop n'est pas encore finie, malgré les uptrends qu'il va avoir. Regardez, là, il avait touché son bottom, il a fait une uptrend, là, il n'a pas retourné. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que présentement, ça fait assez longtemps qu'il gosse en plus en haut sur ses time frames courtes du daily, qu'il attendait juste la bleue à rejoindre. Là, on se prépare pour la chute, on s'en retourne par en bas ici, puis ça ici, ça va finir par suivre, on va aller toucher notre bottom. Puis, soit on retourne à notre 17500, 18000, ou on s'en va à 14. Puis personnellement, je suis fucking ready pour le 14. C'est ce que je pense qui va arriver depuis un méchant bout. Donc, mon daily, c'est ce qu'il me dit personnellement. Pour mes time frames, surtout aussi si je regarde mes trendlines. Ça, c'est le dernier film que j'ai mis. J'en avais mis d'autres, des Fibonacci. Regardez, on avait mis celui-là. Ouais, c'est ça. On a mis celui-là. On va aller voir. Regardez. Si on se fie à la dernière hop, de là à là. Puis qu'on vient à côté ici sur notre top, là, je sais pas, il est-tu exact? On va se mettre exact. Mais regardez, la Golden Pocket, elle commence où? La Golden Pocket Zone d'un Fibonacci Retracement sur les derniers mouvements qu'on vient de faire se trouve à 0,5. Les probabilités de chance qu'on arrive là sont généralement 20 à 30% plus grande qu'un reversal de trend ici. Surtout que là, on n'a pas des EMA qui ont été traversés. On a comme pas de confirmation. Les volumes descendent. Les prochains niveaux, ça risque d'être au minimum 16900 va aller de flasher. Je suis quasiment prêt à mettre ma main au feu là-dessus. Ensuite, j'ai envie de vous dire que le 15400 va être touché. Qu'on risque même d'aller flasher dans le 13760 pour notre Bitcoin. Donc, Puis on va le voir le 4h, vite fait, juste pour terminer, parce que j'imagine que ça fait déjà un bon moment que je suis sur le Bitcoin avec vous autres. Donc, pour ce qui est du 4h, c'est intéressant parce qu'on teste le MA55. Ça, c'est une chose qu'on a faite aussi dernièrement. Puis regardez, ça a été refusé une fois. Est-ce qu'on va avoir un deuxième refus? C'est possible. Cette fois, j'ai l'impression que le refus risque d'être encore plus puissant. Puis la raison est assez simple, c'est que regardez à quel point ici, j'avais une distance courte entre mes EMA, le EMA en blanc, là, pas la trendline, mais le EMA en blanc ici. Regardez la distance entre mes lignes, et regardez la distance ici. Ça va prendre une astide bonne de chemin avant qu'on aille rejoindre le EMA 233. Donc, selon moi, là, ce qui se prépare, là, c'est un astide refus de fou. On s'en retourne probablement sur cette trendline-là, ici. Regardez comment ça nous amène à 14 000. Avant au moins de remonter puis qu'on fasse. Ça aurait du sens qu'on remonte après, par exemple. T'sais? Mais d'après moi, là, on est sous les EMA puis on refuse de monter par-dessus. Mon 4 heures me donne pas plus d'indications bullish pour ce qui est du Bitcoin là-dessus. Le seul bullish sentiment que j'ai, là, il est ici, c'est que j'ai un retour en uptrend sur mon multi-time frame de stochastique. Ce qui me dit qu'on va remonter, on va aller claquer dans le haut avant de retomber, faire retomber ma ligne verte du 4 heures aussi. Donc, moi, je vous le dis, get fucking prepared. Je vous ai dit, genre, vendredi ou mercredi passé, on a pour à peu près une semaine de consolidation. Ça peut aller jusqu'à 3. OK, j'ai pas dit ça la semaine passée, mais là, je vous le rajoute, ça peut aller jusqu'à 3. Mais je suis encore très puissant, dans mon avis, qu'on avait pour une semaine de consolidation. Achou.
Donc, puis, je suis désolé, je ne vais pas éternuer. On a pour une semaine de consolidation. Puis, je suis pas mal certain qu'on se prépare. La drop s'en vient. Ouais, on est direct là. J'ai beau avoir percé par-dessus ma médiane ici, puis de montrer une perte de puissance de ma downtrend sur mon MACD. Vous voyez comment il casse pour retourner vers sa médiane. Aussitôt qu'on est retombé, qu'on a refini notre flash ici, là, d'après moi, on va le reflasher là, à 21 000. Aussitôt qu'on a flashé ça, selon moi, c'est comme crash éventuel. Donc, quoi, 2-3 jours? Je me serais trompé dans ma semaine de quoi? Une ou deux journées? Donc, je suis dubitatif, Bitcoin. Get fucking prepared. It's gonna fall down, motherfucker. So, yeah, homie time. Donc, Astar, notre homie sur le weekly, je l'ouvre pas souvent ce weekly-là, malgré le fait que, regardez, hein, on a une belle downtrend, puis que ça pourrait me montrer que je me suis peut-être trompé. Donc, bien entendu, on est sur un reversal de trend. Regardez sur le weekly comment que le homie nous fait une espèce d'incertitude candle ici, puis après, il nous affiche une chandelle verte. Bien entendu, il nous manque 6 jours pour finir cette chandelle-là, donc c'est possible ici que notre volume change de couleur. Notre MACD, lui, nous démontre quand même une perte de la downtrend, ce qui veut dire que on avait une bonne puissance uptrend là, qui s'était quand même montré la bête, malgré le fait qu'on est encore sur notre médiane 0 de notre histogramme du MACD. On avait quand même une perte de la downtrend. On l'a vu ici, perte de la puissance. Et regardez ce que cette perte de puissance-là nous a mené. Donc là, un retour en uptrend, tout à fait normal. Je vous dirais même que normal et de courte durée, très probablement juste pour nous aider à consolider un petit peu. Si je rouvre les EMA, ce qui se retrouve être le 8, 13, 21 et le 55, regardez comment on a à peine réussi à les tester, notre EMA 8. Donc, si on a une rise de price importante à faire, ça va être ça. On va aller à notre EMA 8, ce qui veut dire qu'on risque de monter à 0,16. 0,16, mais je pense pas qu'on a vraiment un potentiel de remonter là quand on regarde ce qui se passe, surtout qu'on vient de faire le Bitcoin. Imaginez-vous que le Bitcoin chute en 2-3 jours. Donc si on est retombé à 16 ou même, mettons qu'on étire la sauce, le prix explose. Pokémon sort dans 3 jours, puis qu'on s'est annoncé Mutable, puis qu'on en a survécu, ok? Si ça arrive, le prix remonte à 0,039, mettons. Puis que le Bitcoin crash, attendez-vous à ce qu'on y retourne après, là. Un refus comme ça, vous risquez de nous redescendre quand même assez bas, selon ce qui va se passer. Bon, bien entendu, Pokémon, c'est ce qui pourrait nous sauver. Sauf que si le Bitcoin chute, attendez-vous à avoir une espèce, soit une chute, soit une consolidation. Pour ce qui est du OMI, on va avoir une espèce d'incertitude, puis en même temps de FOMO qui va se produire. Là, après, je pourrais pas vous dire ce qui va se passer si Pokémon drop. J'ai même plus l'impression qu'on va s'en aller uptrend si Pokémon drop survit. Mais je pense quand même que ça va nous sauver, mais ça nous créera pas une bull run. Je pense que ça va nous créer une forte consolidation et une rehausse du prix. Une rehausse du prix, pour moi, pourrait nous ramener dans nos anciens all-time high de l'année passée. 0,008, je verrais ça arriver. Très bien, très aisé. Mais bon, ça reste à voir. Je pense pas qu'on s'en va là. Si je regarde à cette heure, notre daily. Donc, on a un peu le fou craint que ça. Donc, si je regarde le daily, on est sur du test du EMA en Géribois. Je voudrais même que là, regardez, on a une traversée du EMA ici qui se retrouve avec le 8, 13 et 21. Sont clairement traversés les trois. Donc, je pense que ça pourrait être bon signe. On a un bon volume. Il reste quand même 12 heures à ma chandelle ici, puis elle a atteint quand même au moins la moitié de la chandelle de volume précédent. Donc, ça pourrait être bon signe. Par contre, si je regarde mon multi-time frame de stochastique RSI, je me dis, j'ai une possible descente ici sur ma chandelle. Ça se pourrait qu'on ait un volume en downtrend qui soit en train de se créer ici. Sur mon MACD, j'ai toujours pas passé ma médiane de 0 ici, mais je suis en uptrend ici. Donc, à voir pour le OMI. C'est sûr que le OMI suit beaucoup les dernières nouvelles. Okay, il y a beaucoup de nouvelles qui ont été super bullish, mais
si MTL drop pas, puis etc., puis qu'on se remet pas à avoir au moins des bonnes news, puis même à ça, je sais pas si MTL va faire crash. C'est mon feeling, mais si. Si le Bitcoin crash, j'ai l'impression qu'on s'en retourne sous les EMA qu'on a ici. 8, 13, 21. Puis que de toute façon, on refuse le 55, qu'on s'est même pas rendu encore. Donc, je reste bearish, mais je vous avoue. J'avoue que je sais pas. J'ai envie de vous dire, la chandelle d'aujourd'hui va me confirmer ce qui se passe probablement avec la vague. Là, on aurait touché une espèce de bonne résistance, par exemple. Quand je regarde ici, là, à 0,14, c'est pas mal le plancher qu'on a ici. Là. Donc, je vais aller voir si j'ai... Je vais ouvrir le Speed Fan Resistance pour voir où est-ce qu'on en est là-dessus. Vous voyez, on a défoncé mon Speed Fan Resistance. Je sais pas ce que ça pourrait nous mener, ça. C'est une fucking bonne question. Hey, on a défoncé plus que j'aurais pensé et espéré. Est-ce que ça nous ramène ici, puis on repart uptrend? Je sais pas tout à fait quoi penser. Oh, ça c'est intéressant. Attendez, je vais aller en mettre un uptrend, voir si j'aurais pu percevoir ça à quelque part. Un petit peu. Tonk. Vous voyez, si je me fâche ces chiffres-là, on est... Ah, oh, mais c'est peut-être pas les bons. C'est vrai, je vais mettre ça là. Voyez-vous? OK, on va aller effacer les mêmes. OK, si je me fie à un Fibonacci en 3 points, donc bottom, top, parce que son c'est le top le plus haut après le bottom. Hein? Il n'est pas évident à voir parce qu'il est les chandelles d'après, mais... Puis, je m'en retourne sur le bottom. Regardez où ce que ça nous ramène. Ça nous ramène direct dans la Golden Pocket Zone. On a flashé jusqu'à 7,86, là, bien entendu, mais regardez comment, à ce moment, on est assis entre la 6,18 et la 0,5. Ce que je pense qui est signe qu'on pourrait être bien reparti, mais il faudrait qu'on consolide la chandelle. Le bottom est plus bas. Il faudrait vraiment qu'on ait une belle chandelle ici qui vient closer au-dessus du 0,5 pour que peut-être j'y revoie un uptrend. Personnellement, on manque de puissance, j'ai l'impression. Donc, je vais aller effacer ce trend-là. Puis je vais aller mettre lui ici, qui se retrouve à être à réaméliorer. Fait qu'imaginez-vous, mettons qu'on retombe, on se file là-dessus. Mais regardez où ce que notre mouvement logique, si on part de là, on descend, on remonte un petit peu jusque là. Donc la prochaine chute logique serait de retomber dans la Golden Pocket Zone qui serait 0,5 à 0,18. Donc je nous verrais continuer à descendre avant de remonter, malgré le fait que la montée semble pas tout à fait finie pour ce qui est de notre multi-time frame stochastique RSI le plus long ici. Donc rien de certain aujourd'hui, le homie. J'avoue, je suis un peu comme... Oh, OK. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de downtrend à voir sur le 4 heures. Regardez comment mon multi-time frame, il m'a flash. Alors regardez comment mon MACD, il perd la puissance sur la montée ici. Ici, par la puissance. Ici, par la puissance. Donc, on a une perte de puissance quand même claire. Là, ma question, c'est est-ce qu'on va réussir à faire... Est-ce que ça va réussir, ce downtrend-là, à faire crash notre OMI? Ça me paraît bon signe, mais regardez comment mon multi-time frame de stochastique, lui, est comme moi, j'ai pas fini de remonter. Donc, j'ai l'impression qu'on va remonter ici, la gang. On va retourner probablement à 0,16, dans la journée en plus. Je le verrais tout à fait se produire pour après qu'on ait une rechute. Mais, à voir, quand, je sais pas. Je vais aller voir de 2 heures, la gang. J'ai pas l'habitude d'aller voir les 2 heures, mais. Ah ouais. Oh my god. OK. Bon, on va aller voir les EMA, ce qu'ils nous disent. Ils sont cachés en ce moment, on va aller voir. Oh, on est sur le EMA 233, puis ça semble être la raison pourquoi on a un refus sur le 4 heures. Oh, OK. Oh, this is interesting. C'est intéressant parce que regardez ici, là, on pourrait avoir un mini Golden Cross qui se dessine. Puis on en a eu dans le passé ici. Là. Ah non, on a failli en avoir. Mais là, on prend en avoir un qui se dessine.
Donc un Golden Cross pour le homie pourrait être très bon ici. Le MA-255 étant très proche. Oh, ça pourrait être un signe de refus clair, net et précis qui s'en vient. Parce que là, regardez comment on a une compression entre le EMA. Attendez un petit peu, c'est lequel lui? C'est mon MA-8 puis mon MA-233. Donc si c'est pas refusé downtrend puis qu'on y va uptrend puis qu'on a une consolidation par-dessus le MA-233, ouh, intéressant. Les volumes sont quand même stables. On a plus de volume que l'ancienne chandelle. Il nous reste 35 minutes. Colin, la gang, partez pas en fou, partez pas en trade. On n'a pas de confirmation, mais on est sur le bord de bouger pour le win. Soit up, soit down. Grosse surveillance à faire, je vous avoue. Là. Shit que je suis pas certain. On va peut-être aller tester notre EMA-55 finalement, puis avant de redescendre très bas. Donc, je pense que je laisse ça là-dessus, la gang. Pas de trade pour le homie. Le Bitcoin me semble dubitativement prêt à tomber dans les quelques jours à suivre. Donc, watchez ça. Pour le homie, ça peut être la confirmation de la downtrend qui va nous amener dans les nous faire perdre un zéro. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de confirmer quoi que ce soit. Je suis même en train de me dire, oh, ça serait intéressant parce que pour l'instant, il y aurait quelques indications que je me serais planté puis que probablement qu'on n'arriverait pas à perdre 1-0 sur le homie. So, yeah, that's it. On n'est pas tout le temps super bullish puis on peut pas tout le temps être juste comme, ah, je le savais, j'ai raison. Au contraire, aujourd'hui, je suis fucking pas sûr. Je pense même que je vais avoir tort puis, oh, ça. Pour vrai, je trouve ça fucking cool. J'aimerais fucking ça me planter. Je pourrais étudier la situation puis vraiment améliorer mon expérience puis la qualité de mes chartes. Ben, pour moi, mais pour vous également. So, yeah, that's it. Ça faisait le tour du Homie Frog Show. So, je vous invite à faire le smash, le subscribe button. Ça fait plaisir. Puis, vous manquerez aucun des vidéos qui sont faites. Je travaille sur des interviews. J'ai une série d'invités en liste. La plupart ont accepté. En plus, je vous parle d'au moins 5 à 6 invités. Sauf que, j'ai deux trucs en cours. Puis, il y en a un avec lequel je travaillerai pas tout seul. Peut-être que la personne avec qui je vais travailler va écouter cette vidéo-là en ce moment. Puis, j'en ai un avec lequel je fais ça tout seul. Je suis en train d'organiser tout ça. Les invités sont acceptés. Là, ma grosse affaire, c'est que c'est cool une interview, mais je voulais intégrer certaines petites choses dans ces interviews-là pour rendre ça un peu différent. Donc, c'est sur quoi je travaille. Je vous dis, ça s'en vient, mais je travaille pour qu'on aille un peu un petit quelque chose, un petit quelque chose de différent dans ces interviews-là que les interviews qu'on va voir puis que tout le monde fait déjà. Donc, pour éviter de copier un peu les gens, on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent. So, that's it. That's all. Je vous dis peace, puis à demain.